Oui, mon amour. Je m'envoie au dépanneur, là. Je t'ai du lait, je reviens dans à peu près 5 minutes. Oui, pour le café demain matin. OK, moi aussi, bye. Salut les chicks! Salut! Hey! Voyons! Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a là? De marche, pas pire, si boire. Hey, qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que tu veux? Yeah.
Qu'est-ce que vous voulez? Inviter mes gars à manger demain. Ça, je dois dire que vous savez faire cuire le poulet. Oh, c'est gentil, merci. Ouais. Ouais, Pierre. Moi, alors, je sais qu'il est tard, là, mais j'aimerais ça te parler. Quoi, maintenant? Non, s'il te plaît, sérieux, là, faut que je te parle. Ok, c'est bon, je t'attends, là. Ouais, ok, ben, je te rejoins chez vous, ok. Merci beaucoup. Bon, j'arrive dans près de 10 minutes, ok. Ouais. Oui. Salut, Peter. Hey, Louis. Hey, ça va, man? Oh yes, mais j'ai fait un astuce cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Un cauchemar, là? Ouais, là, on peut aller fumer du smoke dehors, s'il te plaît. Faut que je prenne l'air, là. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller, ça? Ça n'a pas d'allure, man. Ouf! Il fait frais, putain. Ah, regarde, toi, quand tu te réveilles, là. Check. Quoi? Je suis ici. Tu parles ton rêve? La même affaire, c'est dans le rêve. Je le savais, c'était ici. Regarde là, les colonnes, c'est la même maudite affaire que dans mon rêve, ça coordonne. Non, mais t'es déjà passé par ici? Ben, peut-être une fois, mais pas plus, là. Ouais, on va aller voir.
rester ici. Bon. Là, ça a commencé. Je dis à ma blonde que je m'en vais chercher une pinte de lait. Je m'en vais au dépanneur. Ouais. Là, je rentre dans le dépanneur. J'achète ma pinte de lait. Je rentre dans mon auto. Ça part pas. OK. Là, t'as eu super de ça, toi, cette rêve-là. Ouais, mais je me suis réveillé en soir, man. C'était dégueu, là. Ah, le gars, ouais. Il est apparu, genre, sur un autre arbre. Et à un moment donné, je le voyais plus. Puis là, je continuais à marcher dans le trail. Il est apparu un autre arbre. Puis là, il a commencé à me poursuivre. En tout cas, il va me poursuivre, là. Okay. Asti, là, je courais, comme un peu dans les films, là. Mais à la fin, man, il m'égorge, asti, genre, à une place de même. L'arbre, il ressemble à ça. Il m'égorge comme un asti d'enfant de chienne. Puis là, je suis mort, là, man, égorgé. Puis là, ça finit, et j'étais pendu sur un arbre. Je sais que ça fait con, mais on dirait que je chantais à corde de même. C'était dégueu. T'as jamais eu des rêves de même? Ben, peut-être, là, mais là, je trouve ça. Avoue que c'est macabre, avoue que c'est macabre. C'est macabre, là, mais là, c'est exagéré, là, je sais pas les couleurs, là, présentement. Louis, tu tripes un peu. T'as pris quelque chose hier soir? Non, non. Aïe, aïe. Pourquoi je me sens mal, puis fallait que je t'en parle, si je chantais les mains dans ma gorge. Il m'étranglait, là, il est tellement... Ah. Ah, c'était dégueu, man! Regarde, je le sens encore, esti. Aïe, aïe. Ouais, j'ai tendance à effrayer, man. En tout cas, peut-être un peu d'air, ça va peut-être changer, là. On va prendre une marche, on va faire le tour du parc, là, voir si tout va bien là-dedans, là. Puis, ouais, j'ai fret, là. Je pense qu'on va prendre un shortcut, ok? T'es sûr? Oh, ouais, je suis sûr. Merci de m'avoir écouté. Oh, ouais, ça m'a fait du bien déjà là en partant. Et là, man, ça m'a fait ça. Ok, cool. Tu à droite ou à gauche? Ben le shortcut c'est à gauche là. C'est à gauche? Ouais. T'es sûr que c'est plus vite? Ouais. C'est quoi ça? Ben ta gueule là, c'est quoi là? Ben j'ai entendu un son même. Le bruit dans les arbres. Ben arrête de niaiser là, ah, si j'ai... J'ai entendu ça. Ben viens, okay, pousse-moi fort, si là, là tu me niaises. T'as entendu quelque chose? Oui, j'ai entendu quelque chose. Wow! J'aime pas, là! Ben, on s'en va à la maison, là! Fuck off, là! Fais-moi pas peur, le monde, c'est eux! T'as pas entendu là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. C'est peut-être un. J'ai une petite écureuil, là! Non, gars, on s'en va, là! Gars, j'aime pas ça, là! Je vois rien en plus, là! Là, on arrive-tu bientôt? Ouais, là, je suis pas bien loin par là-bas, là! Tabarnak. Pierre, s'il te plaît, arrête, là! Pierre-Édouard! 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 Tabarnak. S'il te plaît, réponds-moi! J'aime pas ça, là! Non! Est-ce que c'était vrai?
Pierre! Pierre! Je pense au film d'hier. Une chance que ça arrive pas dans la vraie vie de faire la même. Ouais, j'avoue, hein.
J'avoue, hein, ça aurait été tellement poche de commencer notre marche sous la pluie. J'imagine que non, ça doit venir à la même place. OK. Mon cousin m'avait dit la semaine passée là, que j'étais enceinte. Là. Ouais. Ben, c'est vrai. Hein? T'es enceinte? Ouais. Ah! T'es-tu contente? Ouais. Ah! Je suis contente! Puis, il m'a demandé en mariage en plus! C'est merveilleux! Je trouve ça tellement cool! Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Ben, un petit gars, une petite fille! Ben, je sais pas, je m'étais même pas posé la question encore! Je suis tellement énervée, mais j'ai passé le test hier, pis j'ai pas voulu te le dire hier soir, parce que je sais pas! Comment t'as pu attendre tout ce temps-là? Excuse-moi, là! Oh, je suis pas contente, t'es sûre que c'est ce que tu veux? Mais oui, c'est le temps, là! Pis. C'est pour ça que je veux faire de l'exercice. Ben oui, hein. C'est vrai, il y en a de besoin. Il y a quelqu'un ici, là! Ah, je suis tellement contente! Alors, marché, là. Est-ce que tu sais c'est qui la marraine? Ben là, tu sais bien que c'est toi, là. Oh, j'espère que tu vas avoir une petite fille! Comment ça? Non, non je sais pas. Non, un petit gars. Un petit gars? Une petite fille, c'est fatigant, ça chante tout le temps, c'est menstrué plus tard, oui. Ça veut des bébelles. Mais un petit gars, dis-toi que ça a le diable dans la peau, hein. Ben, ça dépend. Si tu l'éduques comme il faut, puis tu y apprends à... En tout cas, moi, je pense que c'est tout dans l'éducation des premières années. J'avoue. Puis Matt, comment est-ce qu'il prend ça? Ben, au début, il me croyait pas, il pensait que je le niaisais, mais... Puis ça, il a sauté de joie, puis tout de suite, à quatre pattes. Ben oui. Ah, cool. T'es jaloux, ça aurait pu venir avec moi, c'est oui. Ça? Oui. Ben là, tout le temps que t'es enceinte, il y avait une fois que je vais pouvoir y aller avec toi. Ben oui. Ah! Oh. C'est dingue. Ah, oh, t'as-tu hâte d'entendre le cœur? Ah, oh. Oui. Pour être honnête, on dirait que... Je sais pas si j'hallucine, mais je pense que je le sens déjà. Ça se peut-tu? Ben, moi, j'ai lu que il paraît que dans les premiers temps, là, on dirait que c'est comme des bulles qui éclatent dans ton ventre. Ouais, c'est peut-être ça que... Mais je trouve ça dur à décrire parce que... Mais c'est comme si... Mais je sais pas. Je sais pas comment dire ça, là. Ben, je suppose que tu peux pas le sentir, lui, parce que c'est gros comme ça, présentement, là, tu sais. Ouais. Mais tu sens le développement, puis tout va changer chez toi, là. Ta peau, ta sensation... J'espère que je prendrai pas trop de poids. Ah, ben là, faut que tu t'y attendes, ma chérie, au moins 30 livres, minimum. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ça régulièrement, garder la forme. Moi, je trouve ça vraiment important, là, parce que je veux, puis là, je vais arrêter l'alcool, je vais tout arrêter le café. Je veux que mon enfant soit en santé. Beaucoup de fruits, beaucoup d'eau, beaucoup de jus, beaucoup d'exercices, mais ça t'empêchera pas de grossir, ma chérie. J'espère que tu feras pas d'eau. Ma mère, là, elle rentrait même plus dans les bottes de construction de mon père. Ah oui, des chevilles grosses de même. Elle voyait même plus la base de la cheville tellement que c'était... Mais c'est de l'eau, c'est normal. C'est pas ça, ça s'en va après puis ça te fait pas de la peau. Flasque, tu débordes à côté des sandales. Puis crème-toi. Tous les jours. Oui, le ventre. Les cuisses, tout, parce que ça fait des vergetures. Oui. Surtout la peau du ventre. Oui, maman, j'ai tout brisé son ventre. Oui, c'est ça. Je t'entrais pas vraiment. As-tu vu le ventre à ma mère? Elle en a eu droit. Puis elle s'est crémée. Oui, c'est ça. C'est la crème. C'est vraiment important. Oh, il fait tellement beau, là. On n'aurait pas pu choisir une plus belle journée que ça. Tu trouves pas que ça sent bon? Oui. Tes odeurs, tous tes sens devraient changer aussi. Tu vas goûter plus, tu vas sentir plus. Toute ta peau au complet, là, tu vas te sentir. Même un petit drap qui passe sur toi, tu vas tout le sentir partout. OK. Tu vas être écœurant avec moi! Hey, Ouais, je vais te montrer un spot. C'est parce que moi, à un moment donné, j'ai été dans la forêt, je pense que c'est à peu près ici. Je suis pas certaine. T'es sûre? En tout cas, un spot, tu pourrais venir tout seul lire des fois. Tu sais, je sais que t'aimes ça, des spots dans la forêt. On va mais voir. Mais c'est parce que je suis pas certaine que c'est là. C'est pas grave, on va bien trouver. Viens-t'en. Si tu vas à la droite, là. Non. Je pense que c'est plus vers la gauche. T'es sûre? Non. Mais c'est bien toi. On va essayer. Okay. Tu dis que c'est un bon spot pour lire. J'aimerais ça. J'en ai pas. T'en as pas? T'en as pas pour lire, là.
Dans le bois? Oui. Non, à ce temps, il y a tout le temps plein de monde où j'allais avant. J'aime pas ça, j'aime mieux quand je suis seule. Viens! Tu es ici? Non. Non. Ben, c'est pas grave. On peut y a un escalier là-bas. Ben oui, c'est parfait. Ça fait de l'exercice pareil. Ben, on peut même les descendre, les monter, les descendre, les monter. Mais... Ah, je t'ai pas dit ça, j'ai fini de dernier d'Anne-Vice. Lequel? La coude ou Marius? Marius? Ah, oh, c'est débile, hein? C'est dégueulasse à la fin! C'est quoi donc? Je me mélange avec les deux. Et ça finit que Tom, il enlève ses yeux pour les donner à Marette, puis après ça, il est tout enchaîné. Je comprends. Oui, mais c'est vrai, il donne ses yeux d'immortel, enfin, hein? Tu te rends compte? Elle a gardé ses yeux d'immortel pendant 6 000 ans! C'est incroyable! Elle est tellement contente d'avoir des yeux d'immortel! Je l'aurais pas dit encore. Ah, c'est vrai, tu l'as su hier, hein? Mais je risque de perdre le poste, là. C'est pas mal sûr. Ils te donneront pas de congé! Mais c'est parce qu'ils ont le poste de direction, ils ont besoin de quelqu'un tout le temps. C'est sûr que je perds mon poste, là. Mais oui, mais ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 3 ans. Ben oui, mais c'est illégal, Josée. T'as le droit d'avoir un congé de maternité. Informe-toi, je te le dis. Moi, c'est sûr que t'es obligée au moins 1 an après la naissance du bébé, puis jusqu'à 3 mois avant, au moins. C'est la loi. On va me renseigner. Dis donc, Joe, ça se fait-tu qu'à cause du détour, on se soit perdu? Thank you.
fin de là, Bruno? Salut, Johnson. Toujours en retard, comme d'habitude? Ah, dure soirée. T'as-tu vu, Boudron? Le masque de cuir encore frappé. Sacre. Commandement aujourd'hui. Deux jeunes filles de 24 ans. José Ross et Maggie Villard. Tous deux prenaient un détour pour aller prendre une petite marche dans les boisés hier soir. Encore un autre carnage qui nous a laissé. Attends de voir l'autre, là. C'est vraiment pire. Hey, Johnson, tu me prêtes ton meilleur tour? Pas de problème. Maggie Villard, 24 ans. Si tu me cherches, je suis à côté. Pas de problème. 24 ans. On voit qu'il y a eu une bonne bataille sur le défendu. Crâne transpercé par un pieu. Je dirais même un morceau de bois amassant le bois. Je dirais que. La mort. Oui, je m'en viens! Ouais, Boudreau? Ouais. On constate le décès de la jeune demoiselle ici. Elle a subi plusieurs fractures. Elle a eu une fracture du nez par un coup au visage. Par la suite, il y a eu une fracture ouverte du genou. Puis il a fini ça avec un arrachage de bras. Ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on le pogne parce que le prochain, ça va être dégueulasse. Là, il s'en vient de plus en plus enragé, puis j'ai peur pour les autres. Pauvre petite fille. En tout cas, ça, c'est peut-être la quatrième victime, là. Il n'y en aura pas de cinquième, je peux te jurer. Je te crois. OK, Johnson, on va faire le tour du périmètre, trouver s'il n'y aurait pas des preuves. Faire le tour, soit dans 15 minutes ici. D'accord, Boudreau, à tantôt. C'est un périmètre, allez-vous-en! Hey, allez-vous-en! Johnson! Johnson! T'es ici! Johnson! Johnson, tu te grouilles-tu le cul? Hey, le smart! Hey, le smart, va-t'en! Hey, tu sors-tu? Hey, il est là, Johnson, il est là! Tu penses, Bruno? Il est là, je l'ai vu! Il y a quelqu'un en haut! Voyons donc! T'es sûr que tu l'as vu? J'ai vu quelque chose bouger en bas ici. Peut-être c'est pas lui, mais... J'aime pas ça. C'est parti, je pense. Je pense qu'il est parti par là. Faut aller voir. Ça a tombé en bas, je l'ai vu. Laisse près de moi, je dis. Comme à l'école, ils ont montré. Va le pogner, c'est pas correct, c'est retrouvé. On va essayer les calices. Il y a un pont.
4, Boudreau. Niaise pas, là. Faut vraiment plus de goût comme faut. Shit. Johnson, passe le pont, je vais en dessous vérifier. OK. Rien en vue. Je pense qu'il est passé, je vois des traces fraîches ici. Je vais faire le tour pour être sûr. Par où qu'on va? Je sais pas, là, j'ai peur. J'ai peur d'avoir perdu sa trace. Faut se dépêcher vite avant qu'il s'en aille et qu'il fuit. Moi, je pense qu'on pourrait aller là, en haut, peut-être vérifier. C'est grand le bois, c'est ça que j'ai peur. Je veux qu'on te lance, Boudreau. Moi, je prends la marche, tout le monde en haut. On se rejoint en haut dans 10 minutes, OK? Pas de trouble. Check. Où là-bas? Ça, c'est tes gardes. Boudreau!
Tu ne me rendras pas, mon tabarnak! Est-ce que tu ne me rendras pas? À la tête! C'est ça, hein? Montre-moi ta face sale, mon tabarnak! Montre-moi là ta face!
je vais le dire. Il sauvera pas! Jouer au dur, ça joue à deux. Allez, Johnson! Fuck, crève Fête de Johnson. You? Tu le tues comme les autres? T'es où? Reviens ici! T'es où? C'est fini, j'ai pas fini avec toi! Reviens ici! Reviens ici! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je pense que ma paper est tout ça. Ah! Ah! Laisse la star,
It's a very, very mad.